Oui, c'est une équipe qui, Nice est une équipe qui aime avoir le ballon, qui aime la possession, qui sont confiants avec le ballon. Ils ont joué avec 4, ils ont joué avec 5 défenseurs. Et pour ça, c'est notre défi d'avoir une réponse et d'être préparé bien pour demain. Et pour ça, c'est important que nous parlons aujourd'hui avec des joueurs et que nous faisons un entraînement aujourd'hui concentré et pour être préparé bien pour demain, parce que c'est avec il y a beaucoup de joueurs avec qualité chez Dante et chez Maxima de la Bundesliga. Pour ça, c'est compliqué toujours de faire un match à Nice. Bon, c'est pas un plan, un plan pour Balotelli, mais il est un joueur avec extra qualité, c'est clair. Il a énorme talentueux, et il est énorme talentueux. C'est toujours dangereux et de jouer contre lui parce que tu ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il va faire, ce Ce qu'il va qu'il va faire. faire avec lui, hein? Nous devons faire, nous devons avoir attentif, très attentif avec lui et avec Maxima. Sans Maxima, c'est très très dangereux. Il sait que c'était une. Un temps dur pour lui et nous sommes très heureux qu'il va revenir pour demain et il est très heureux qu'il peut jouer pour nous demain et il va jouer. Mes impressions de Ligue 1 sont c'est une ligue très physiquement. Dans chaque équipe, il y a des joueurs. Très très vite, il y a des attaquants à les côtés, très très vite et très dangereux, très physiquement, avec beaucoup de vitesse et beaucoup d'endurance. Et ça, pour ça, c'est très très difficile et important de contrôler des contre-attaques. Et c'est notre défi parce que nous aimons d'avoir le ballon et d'avoir la possession du ballon. Et pour ça, c'est le défi et oui, la ligue, c'est à Ousticlin. Équilibré. Oui. Équilibré. C'est très équilibré en niveau haute et il y a des équipes comme Monaco, comme Marseille, comme Lyon, mais aussi comme Lille et Toulouse qui sont vraiment et Nice qui sont vraiment en niveau haute pour moi.